on lance le local recording. Petit rappel des tableaux tout de suite. Donc, au niveau des tableaux, voilà où nous en sommes. Nous allons jouer directement le deuxième match, les Yes contre les Salty. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper, soyons francs, au bout d'un moment, parce que ça devient très énervant. Et on va commencer le pick and ban. C'est les quarts de finale. Ça commence déjà à devenir très sérieux. Messieurs, c'est parti. Choisissez une première map à bannir. C'est maintenant, parce que là, ça commence déjà à m'énerver. King. Eh bien, c'est King qui part. Je reviens vers vous, évidemment. Illico presto. Space, Bud et Vladédé. C'est King qui a été exclu. À vous de me dire laquelle vous voulez bannir. Il. Et ben c'est il, voilà, qui part. Comme Hop, ça dégage, il me racontait leur vie. Il allait me raconter sa vie, je le connais. Je le connais, ce joueur. Ouais, disqualifié, il aura pas de bah. C'est il qui a été banni, messieurs. Doc. Doc. Doc, très bien, merci. Hop, c'est les Doc qui ont été bannis, messieurs. Ok, donc on ban Pine. Pine, Pine, très bien. Il nous reste quoi là, dis-moi. Stack. C'est Pine qui a été banni. Il reste du Stack, il reste du Speedball. Donc il reste Stack, du Goulag. Speedball, Goulag. Si je ne m'abuse. Si, ça abuse. Bien sûr. Speedball. Speedball. Il reste donc Stack et Goulag, c'est ça? C'est bien ça. Il reste Stack et Goulag, donc ça va se jouer sur l'une des deux cartes. Messieurs, il reste soit Stack, soit Goulag. Ça va se jouer sur une des deux maps, c'est à vous de choisir. On prend Stack, hein, Space. Space. Ouais. Ouais, go vous Stack. Vous bannissez ou vous prenez? On prend Stack, on joue Stack. Eh ben, on vous avez Goulag. Décidé de jouer Stack, on envoie dans quelques minutes. Soyez prêts, s'il vous plaît, soyez attentifs. Ouais. Bonjour, Freeze. On envoie dans quelques minutes. Ah bah c'est dommage, ça serait con. Non, c'est bon. On envoie dans quelques minutes, soyez prêts, et ça va se jouer sur Stack, vous l'avez vu. Bonne chance à tous, et que Dieu protège l'Amérique, ne l'oubliez jamais, évidemment, on adore l'Amérique. On les embrasse. On les embrasse, on sait qu'ils nous regardent énormément. Oui, énormément. Beaucoup d'Américains, ils nous regardent, ils sont là, oh, yes, guns, guns, en train de bouffer des ribs. Oh, j'adore ces mecs, j'adore le barbecue. On envoie dans quelques minutes, à très vite, messieurs. Restons concentrés, s'il vous plaît, là, on s'appare n'importe quoi. Arrêtez de mettre le point d'exclamation, code ou RTX, Mr. Fada, faites un effort, il n'y a rien à gagner pour l'instant. Pourquoi vous le faites? Vous êtes ridicule, là, vous passez au ridicule. C'est sur Twitter pour les cadeaux. Mais voilà, c'est sur Twitter pour les cadeaux. Il y aura des cadeaux en live. Bien sûr. Mais c'est pas là. Personne ne vous a rien demandé. On vous a... Il y a... Pas maintenant. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Par contre, encouragez. J'attends un peu quelques avis du chat. D'après vous, qui de Salty ou de Yes a gagné? Et pourquoi pas faire un sondage finalement? Un sondage qui de. Ah, c'est bien ça. On peut le faire. Oui. On peut le faire. Qui de Salty ou Yes gagne? Et ça, ça va apparaître juste en haut du chat. Incroyable, donc Salty Squad, sauf tu me confirmes. Sauf ceux qui sont sur téléphone, RIP pour eux. Sauf ceux qui sont malheureusement sur téléphone. Permettre le vote par bits, non, hein, n'abusons pas des bonnes choses. On a assez escroqué les gens dans l'année. C'est on, vrai, va c'est pas, ça, ça suffit. On va pas en rajouter. Voilà, c'est maintenant Noël, on va se calmer. On attend les cadeaux de Noël, d'accord, voilà. Donc, tu peux une, deux ou trois minutes. Et ben, c'est pas mal, tu sais quoi. C'est tout, trois minutes. C'est tout. Et ben, vous savez quoi, le chat, vous avez 3 minutes pour voter juste au-dessus. Abonner uniquement, ça peut être pas mal, mais on a déjà à se arnaquer, on attendra un petit peu, évidemment. C'est parti, on commence un sondage. D'après vous, vous avez 3 minutes pour voter. Qui de Salty ou Yes gagne, évidemment. Et hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit quoi là, normalement? C'est arrêter le... Non, supprimer. D'accord. Ou un truc comme ouais, ça. On verra bien. On verra bien, on découvrira ça. Voilà. Et pour l'instant, la plupart des gens seront sur un Salty Squad. Bon, bah écoute, à voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, moi, est-ce que ça va leur mettre la pression au Salty en même temps? De voir ça, en mode on est les favoris. Je rappelle que Salty, c'est Vladédé qui a fait une perf hier, oui. Très très bonne. Ah, Dédé, il a assuré, et hein. Space Bud, Dédé, ça a été le boss des deux pour le coup. Par contre, en face, Toby et Volt font pas l'unanimité spécialement. On verra. Pour l'instant, peut-être que clairement, sur le coup, peut-être que les gens ont juste tort en fait. Donc, on va voir. Ça va être à eux de prouver un petit peu ce qui va se passer. Bienvenue dans cette Big Up et dans ces quarts de finale. On espère. Tout comme nous, que vous avez hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et au niveau des votes, c'est toujours Salty qui mène la danse. On va voir. Je pense pas que... grand-chose. Avec le nombre de personnes qu'il y a dans le chat, ça peut vite changer. Je pense que de ce pas, tu peux envoyer. Et je remercie infiniment, évidemment, Big Yoda pour son tier 3 parce que c'est juste incroyable. On est parti. Tu peux envoyer. Let's go. On remerciera les subs. J'ai oublié de le faire hier. Quelle erreur. On fera une petite session. À la fin de cette big up, évidemment. Je rappelle que les finales vont jouer ce soir. On est parti. C'est
Ça y est, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Tout va jouer maintenant. Il n'y a que 20 secondes de décalage, ça va, c'est bien. 20 secondes, on peut c'est interagir avec vous, c'est on peut tout voir. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Nous avons toujours les salty, pour le coup, qui sont largement en tête. Donc, vous avez un aperçu de la map pour le moment. Rien de plus simple. Un rectangle. Voilà. Toutes les maps de V2 sont comme ça. On va suivre Toby. Je rappelle qu'ils ont 40 secondes pour discutailler entre eux. Je pense que la feed va déjà apparaître, à mon avis. On verra de toute façon. Oui, oui. Pendant le match d'entraînement, parce qu'ils ont effectivement un match d'entraînement. Alors, est-ce qu'ils vont laisser l'équipe d'en face s'entraîner et repérer leurs armes? Ça peut être. Ils peuvent faire très très vite en mode on en finit. Tu vois, c'est ça, le BO1. C'est au bout d'un moment. J'ai pas ton temps, mon frérot, ça on peut, termine. Ça peut être une tactique, hein, en même temps, on finit vite ça. Voilà, ça peut être une tactique, ça peut se faire très très vite. Alors, je rappelle que là, c'est un manche d'entraînement, ça ne compte pas. Par contre, dès que une équipe est morte, là, ça va compter. Et là, il y a 2000 euros en jeu, donc on évite de faire les malins. Je rappelle que c'est en 6 manches gagnantes, il faut 2 manches d'écart. C'est bugué, ça a été confirmé par Activision. C'est bugué leur système de 2 manches d'écart, malheureusement. Je sais pas ce qui branle, mais on verra un petit peu plus tard. Là... Ça joue direct, à savoir que pour le coup, c'est Toby qui a pris le MP7 et qui s'est fait dézinguer. Hein. Voilà, il se met en chauffe. Il se met Je rappelle qu'au centre de la map, il y a tout de même un fusil d'assaut. Donc ça va être intéressant de peut-être aller au centre sur les côtés. C'est ce fusil d'assaut. Il a fait le toucher. Entraînement terminé. Match nul, c'est fait. J'ai pas vu s'il y avait la feed pour le coup. Je crois pas. Si tu crois pas, moi je crois pas non plus. Non, je crois que j'ai pas vu. Et ben alors, dans ces cas-là, on n'a pas vu. Et ben on va la mettre. Et ben on va la mettre. On va la mettre de ce pas. Toby. On est parti, c'est un 0-0. On reste sur Toby. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Vous connaissez la carte, c'est un rectangle. Il a pris le MP7 comme pendant l'entraînement. Il rush, il tente le rush. Ça a pas payé, malheureusement. Toby l'a fait tomber. C'est du Volt contre. Volt qui a réussi à faire tomber à travers en wallbang. Ça, c'est pas mal. On l'a malheureusement pas vu. Le caméraman qui est décalé. Ça, c'est de la faute. Voilà, c'est de la faute d'Activision. C'est pas de le la mode spectateur, malheureusement. Le mode spec et une première manche qui a été raflée pour les salty. Je rappelle que les salty, pour le coup, sont partis favorables dans les votes. D'après le chat, c'est les salty qui vont l'emporter. À voir si le chat a eu raison ou pas. J'espère qu'ils ont eu raison. J'espère pour les salty qu'ils ont eu raison, en tout cas. Donc là, c'est parti, on va suivre Vlad B cette fois-ci. Qui a mis quelques balles direct en face, mais attention la termite, la termite qui m'est mis d'HP. Space Bud est tombé face à Toby. Oh là 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 là, attention, il a pas vu, c'est du très très low HP contre du très low. Il peut tout se passer, il peut se passer n'importe quoi. Dommage, HP contre 10 HP. Bien joué par contre. Ouais. Bien joué pour le coup. Il a bien fait le tour rapidement. De la part de Toby, il a fait le tour très rapidement parce qu'il a réussi à le brain pour le coup. C'est ça. Vladédé, il pensait encore qu'il était en face. Une seconde, ça suffit. Bah, une seconde d'hésitation, bon, ça crée des cartes. C'est là, seconde de trop. 1-1, toujours escarmouche, évidemment, on est reparti. Hop, une balle de Deagle est partie, malheureusement. Space Bud a réussi à ramasser le MP7 et a direct tué son adversaire. Ouais. Ensuite, on se met dans la vie de Toby, c'est du 1v2 à partir de maintenant. Je rappelle que vous avez le X-Ray. Ouh, la petite balle de Deagle qui est partie. La petite balle de Deagle. Ah oui, bah ça pardonne pas. Là, de toute façon, boum, voilà, ouais, c'est terminé. Là, les Salty ont joué très très safe. Ouais. Ils ont pris le MP7, carrément. Le Deagle, ils ont dit on va les attendre. Ils sont venus. Là, peut-être que Toby et Volt, doucement sur le rush, parce que ça paye pas, hein, on l'a vu déjà tout à l'heure. Ils ont deux fois, ça a pas fonctionné. Voilà, c'est du plus haut niveau, donc cette fois-ci. Faut peut-être tamponner un petit peu. Il y a des joueurs pro et semi-pro. Beaucoup de joueurs pro et semi-pro maintenant. Donc là, il n'y a plus trop le temps de rigoler. Yes! Space Bud a réussi à tuer Toby et à empêcher son collègue de mourir. Il ne pouvait rien faire. Volt contre Vladédé Space Bud. Par contre, les deux sont très low HP. Ouais. Tout peut partir. C'est du 100 HP contre eux. Allez! Max 40 HP. Une balle de Deagle. Une balle de Deagle chacun, c'est fini. C'est ça. Une balle de Deagle chacun, il peut faire l'exploit, clairement. Je rappelle qu'il y a 1-2. C'est maintenant qu'il le fait et il y a un drapeau au milieu. Ils doivent aller chercher le drapeau. Comment va la jouer Volt? Forcément, c'est 5 secondes la prise de drapeau. Je le rappelle, il doit impérativement soit tuer les deux, soit jouer le temps. Il l'entend. Il l'a entendu. Il l'a entendu. Il tire sur son... Dommage! Dommage, ça a manqué de réflexe pour dommage. Le coup. Il aurait peut-être dû bouger ça un peu pour le malheureusement. Pour le coup, c'est dommage. Il aurait pu les faire largement. C'est ça. Il aurait pu les faire largement. C'est 5 secondes la prise de drapeau. Normalement, il faut savoir que c'est 3 en escarmouche. Mais 3, c'est beaucoup trop peu, je trouve. Ça laisse pas le temps de potentiellement faire un petit détour ou autre. Donc, cette fois-ci, nous sommes dans la vue de Toby et l'écart commence à se creuser. Je rappelle que c'est tous des bons joueurs qui jouent à partir de maintenant. Volcar ici à faire tomber Space Bud. Donc,
Oh, bien joué de la part de Vlad Dédé qui a fait tomber. Oh, oui. Oh là 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 là, oh, c'est joué. Très beau avec le Deagle alors qu'il avait le MP7. Là, ça va pas là. L'écart se creuse. L'écart se creuse. Les Salties sont très très bien. Les Guess sont vraiment mal. Là, va falloir arrêter de déconner. Faut pas oublier qu'il y a 2000 balles en jeu. Je rappelle que c'est maintenant des gros niveaux qui s'affrontent. Donc, oui. Ça, vous avez l'impression que ça va trop vite, mais c'est parce que c'est des gros niveaux justement. Maintenant, il n'y a pas le temps, tout va très vite, tout joue au son, tout joue en une seconde. Il a pris une balle. Tout joue à une potion C, le balle dans la tête. Vlad Dédé a pris sa première balle, il a pas réussi à en caler une. Il aurait pu caler un petit headshot, malheureusement, c'est pas passé. Pas mal ce petit move, il reste sur le côté. Il y en a un juste à côté. Il a vu. Oh là là, ça, c'est beau. Vlad Dédé qui met une tête d'office et qui extermine Toby pendant que Volt a le MP7. Donc c'est Deagle contre MP7. C'est ça. Vlad Dédé qui est dans sa game pour l'instant. Vlad Dédé, comme il a marqué. Il a marqué pour le coup. Il a été extrêmement chaud. Donc voilà la map, voilà les joueurs en bas à gauche, je viens de le découvrir. Attention. Ça va très vite. Bien joué, Vlad Dédé, incroyable. Oui, là il va falloir le calmer. Il va falloir le calmer pour la manche suivante si, ah, oui. S'ils n'arrivent pas à le faire maintenant. Parce que là ça devient compliqué malheureusement. Bah là, 5-1 c'est balle de match. Balle de match. Balle de match. Point de match pour le coup. Ou dernière balle dans la tête de match littéralement. Donc là vous avez la petite map et vous voyez en direct aussi les moves. On vient de découvrir des petits trucs. Je peux faire ça aussi. On va très très vite. Avec mal. Vlad Dédé qui a quand même 9 kills. Tandis que Toby et Volt n'arrivent pas à s'en sortir. Bon, Vlad Dédé comme hier. Vlad Dédé qui carry littéralement son mate. Donc tout va très très vite. Sympa ces petites touches. Vlad Dédé qui vient d'anesthésier. Toby pour le coup. Volt, c'est du 1v2. Ça devient critique. C'est la balle de match. Si Volt et Toby se réveillent pas très vite, c'est terminé. Bah là, c'est la pression. C'est la pression pour Volt. Oh là 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 là, bien joué ça. Bien joué. 1v1. 1v1 maintenant. Il est full life. Donc il peut l'emporter. Là, il a juste à attendre qu'il aille sur le drapeau. Il peut l'emporter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ne déconne pas, Volt, parce que ton mate compte sur toi, sinon c'est la fin. Bah, psychologiquement, ça va être très très dur de prendre un 6-1 la première map. Il a entendu. Oh là là, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a pris? C'est qui l'a pris? Oh bah, c'est un one shot. Spacebud qui a fait la balle finale. Bien joué. Pourtant, n'était pas spécialement dans la game. Incroyable ce qu'il a pris. Si c'est équilibré, c'est juste que maintenant, c'est des gros joueurs qui tombe. Donc après, c'est équilibré. Maintenant, c'est le skill qui fait la différence. C'est juste le skill qui fait la différence, encore une fois. C'est totalement équilibré parce que rappelons que les Yes hier ont fait une très bonne paire. Oui, carrément. Mais là, aïe 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 aïe, ça devient un petit peu compliqué, malheureusement. Mais clairement, un OS est parti extrêmement vite et ça fait mal, comme disait évidemment Lafouine. Messieurs, qu'est-ce que vous prenez là? Je reconnais ça, c'est votre part que vous avez pris là, non? Ah oui, là ça prend tarif. Hein. Là, il va falloir se wake up. Les gars, il y a 2000 balles en jeu, c'est pas terminé, d'accord? Attention, tout est à refaire. Néanmoins, faut la gagner celle-ci. Faut la gagner pour que tout joue dans dans ce BO3, dans le troisième match. Donc, les gars, faut jouer décomplexé là. Vous avez perdu la première, c'est pas grave. Jouer décomplexé. Peut-être que vous avez peut-être trop rushé dès le début ou autre. Je sais pas, moi j'évacue ce qu'on a vu. Exactement. Donc on vous fait des propositions, mais peut-être que vous avez un peu trop rushé. Soyez peut-être plus patient parce que vous avez vu qu'ils sont assez terribles sur leur ligne. Faites attention à vous. C'est bien de vouloir surprendre, mais en face, c'est pas Kevin, 12 ans, qui vient d'acheter le jeu. Voilà. Tu vois, les gars. C'est Vlad Dédé qui a un gros Deagle. Tu vois ce que je veux dire? C'est Vlad Dédé qui a un très gros calibre dans la poche. Vénère, hein. Et Vlad Dédé, vous l'avez entendu et vous l'avez vu, il est énervé. Donc calmez un petit peu le jeu, GG quand même. C'est pas perdu les gars, C'est pas perdu, il y a eu quand même de beaux moves de votre côté. Mais là vous vous êtes fait éclater si je puis me permettre. Vous avez perdu des 2v1 que normalement vous devriez pas perdre. Donc revoyez un peu votre truc, votre stratégie et on se retrouve juste après pour les bans. On est avec les vainqueurs, il est chaud. Vlad Dédé exceptionnel là. Ah, écoute, comme à la maison hein. On peut dire que tu régales, c'est bien. Soyez en assurance. Il faut en assurance parce que après c'est les demi-finales et là je veux pas que ça parle malgache. En tout cas félicitations, vous avez gagné ce premier match de BO3. Maintenant va falloir nous prouver que le live n'avait pas tort. Hein. Ils ont été de votre côté. Pour eux c'était vous qui alliez gagner. Il faut conclure maintenant. Pour l'instant le chat est dans un sans faute en termes de pronostics. À vous de leur prouver qu'ils ont raison. Est-ce que vous êtes prêts pour les bans? On revient vers vous parce que vous avez voté en premier, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Eh bien, on revient vers vous juste après. À tout de suite. Fast.
Messieurs, c'est maintenant qu'il faut nous dire la map, sachant que vous ne pouvez pas rejouer. Stack, c'est parti, on vous écoute. King. C'est Kinge qui part. Très bien, messieurs, à tout de suite. Alors, messieurs, c'est King qui a été voté. Vous votez pour quelle map? Goulag. Goulag, très bien, Goulag qui disparaît. Goulag et Kinge. Ouais. Messieurs, c'est Goulag qui a disparu. Vous votez pour quelle map? Doc. Doc qui disparaît, très bien. Messieurs, c'est Doc qui a été voté. Vous votez pour quelle map? Il. Il nous reste quoi? Bah, il reste. Speedball. Speedball. Et il reste. Il reste Pine et Stack. Pine. Voilà. Pine et Speedball. Non, non, Stack n'est pas jouable. Pine. Alors, on va peut-être voir un Pine. C'est incroyable ça. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Messieurs, il reste Pine et Stack. Et Speedball, pardon. Speedball. Laquelle vous voulez jouer la Speedball? Vous voulez pas la banne? On la banne. Vous voulez jouer Pine? Oh. Oui. Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce, mais c'est incroyable. Mais ça, c'est bien ça. Mais alors, si je puis me permettre, pourquoi ce choix, messieurs? Genre, vous l'avez entraîné ou autre? Parce que pour le coup, c'est une surprise. Dans les qualifs, personne voulait entendre parler de Pine. Et là, vous voulez la jouer subitement. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de verdure. Un peu de verdure. Pas de mal, ils ont pas le mal au stream. Là, je pense qu'ils vont tenter un coup de Trafalgar. Mais c'est ça qu'on veut. C'est donc Pine qui va être joué dans quelques minutes. Préparez-vous, messieurs, ça va bientôt lancer. Et messieurs, c'est Pine qui va partir dans quelques minutes. Soyez prêts, ça va bientôt lancer. Incroyable, c'est un Pine qu'on va voir. On s'y attendait pas. C'est un Pine, et je rappelle que le chat va pouvoir voter pour leur préférence pour la prochaine team après. Pour l'instant, vous voyez la Salty en demi-finale. Vous n'avez pas eu tort. Le premier match s'est avéré de votre côté. Statistiques qui sont. Statistiques à votre avantage, le chat. Exactement. Statistiques à votre avantage. Pour l'instant. Bon, pire map ever, certains disent dans le chat, mais c'est quand même Pine qui passe. Peut-être qu'ils ont prévu peut-être qu'ils vont jouer dessus. En tout cas, quel plaisir de voir Pine. On va voir. J'aimerais bien voir Hill. Je t'avoue que je l'ai jamais vu. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien voir Hill. On est parti. Tu peux d'ores et déjà lancer la game. On va pas les faire attendre parce que les mecs sont chauds bouillants. Ils sont sous pression. Il faut que la team Yes se réveille. Là, ça commence à être chiant. Il faut qu'il se réveille. Bon, il y a eu 6-1. Le problème, c'est que voilà, perdre la première map, ça fait forcément un coup dans le moral. Mais si tu te laisses faire, c'est là qu'on reconnaît un professionnel et les autres. Exactement. C'est-à-dire que si tu te laisses démoraliser, tu te laisses démonter, tu prends ta part. Par contre, si tu arrives à garder le moral, let's go, on y va, tout le reste est entièrement faisable. Bon. Voilà la carte, on l'a vu tellement rarement qu'on peut la montrer. C'est exactement. On peut se permettre de la montrer, la carte. Des petits obstacles, par contre, beaucoup de verdure. Beaucoup. Et surtout, un cercle en plein milieu. Vous pouvez voir le forme du cercle, je le montre avec mon doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. Moi, je vois. Moi, je mais vois. Lui le voit, c'est le principal. Mais il y a un cercle en plein milieu de la map qui a été fait avec le décor. C'est ça. Donc, à voir ce que ça avec va donner. Un container et une cabane de chaque côté. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a jamais de jaloux dans cette map. À rappeler que le drapeau est dans un container où les balles, exceptionnellement, ne passent pas à travers. Ou très difficilement. Voilà. Ça ne passe pas à travers ou très difficilement, mais dans ce cas-là, ça ne peut pas passer à travers. Exactement. Voilà. Très difficilement. Très difficilement, effectivement. On est parti. C'est la game de chauffe seulement. Donc, on va attendre un peu calmement. Vol qui commence à faire. Attention. Oh là 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 là. Une minute de repérage. Ça a dû se parler, ça a dû se dire des petites choses. Il a voulu une minute de repérage, il ne les a pas eu. Voilà. C'est le jeu. Merde. Voilà. Oui, mais C'est le jeu. On a plus le temps et on va suivre Toby. Il est sur sa carte, il est chez lui, il a pris le MP7 d'office. Il va près du cabanon. Attention, il a l'air de courir. Sans bien jouer, une première tête de la part de Toby. C'est peut-être le bon move, il sait qu'il est à droite. Ça peut aller très vite. Touché. Toby qui va faire le boulot. Il est au Deagle Space Bud. C'est du 1v2. Il est très low HP. Il est mal en point. S'il le fait, c'est incroyable. Ils ont 200 HP versus 20 avec un Deagle. Il peut quand même le faire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Quoi qu'il arrive. C'est faisable, mais ça va être difficile. Et c'est là aussi qu'on peut reconnaître un pro. Parce qu'il peut se faire. Il l'avait vu quand même. Ouais, il l'avait vu. Incroyable. Œil de lynx, on l'appelle. Incroyable, il l'avait vu. Alors je rappelle qu'il y a un décalage cette fois-ci. Donc attention. Aucun streamage possible en 2v2 pour le coup. Il l'avait vu. C'est dingue. C'est dingue et c'est extrêmement beau. Bien joué du côté de Volt et Toby. Ça remonte le moral. Voilà. Et c'est Vladédé maintenant qui va ouvrir. Sachant que c'est Toby et Volt qui ont choisi cette map, hein, on le rappelle. C'est exactement, c'est Toby et Volt. Donc faut qu'ils approuvent. Il a pris le MP7. Ça y est, il a trouvé le MP7. Ils n'ont pas du tout train la map. Ça va pas du tout. Ok, première balle partie. Deuxième balle. Très belle balle de Deagle qui est partie de la part de Vladédé. Qui régale encore une fois. Si Vladédé meurt, ça sent pas bon pour Space Bud parce qu'il a carry littéralement la première game. C'est ça. Vladédé, c'est un peu le gars sûr, tu vois. C'est le mate sûr dans sa Toby, team. Il est. Oh là là, il touche tout le monde. Il descend les petits HP de tout le monde. C'est bon.
C'est ça, très très bon. Il faut gratter. Sachant que Toby par contre a un HP, littéralement. Ah oui, là il a un HP. Là, Toby il est pas bien. On voit la vie en noir et blanc. Attention. C'est déjà allongé. Vlad Dede, une info Space Bud qui tue Vol. Toby qui tue Space Bud. Il y a le revenge, bien joué de la part de Vlad Dede. Là c'était compliqué. Il avait littéralement un HP. Un HP. Vlad Dede qui arrive tout de même à remonter les difficultés. 1-1. Incroyable avec un kill de Vlad Dede, un kill de Space Bud. Et là, c'est Toby en face qui carry. Donc, on va suivre Volt pour voir s'il arrive à faire son petit kill. Ça serait pas mal. Ils ont changé de camp. Toutes les deux manches, changement de camp. Aucun souci là-dessus. C'est une thermite qui part très très vite. On peut gratter un peu de vie avec la thermite. Ça, c'est pas mal. Voilà. Justement, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien joué. Dommage. Un peu trop loin pour le coup. Un petit peu trop loin. Ils ont gardé le Deagle. Toujours prendre le Deagle. On l'a vu hein, dans les qualifs. Les gens qui oubliaient le Deagle. Ah oui. Ils le payaient cher. Ça leur a coûté cher. 2000 balles. Ça leur a coûté 2000 balles. 2000 balles, malheureusement. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, tu vois, ça se voit que c'est un plus gros niveau. Maintenant, tout va jouer au drapeau. Tout va jouer au réflexe. Ça va partir maintenant très très vite. Une smoke qui part. Bien joué la smoke. Bien joué la smoke. Ça tente. Ça prend le drapeau. Ça contourne de l'autre côté. Spaceman qui fait tomber Toby. Attention. Vol qui a failli le tuer, mais qui n'a pas réussi à faire la différence. Pour le coup, son MP7 n'a pas tué assez vite. C'est dommage. Peut-être que la smoke a été lancée un peu trop tôt. Tout va se jouer de plus en plus tard. Ouais. Tout va se jouer maintenant à l'apparition du drapeau. C'est pas pour nous déplaire, littéralement. Et là, on va suivre Space Bud avec 1-2 pour l'instant du côté de l'Allégeance. Il a pris ses premières balles. Attention, c'est 30 HP à peu près qui tombe. 25-30 HP. Il est au Deagle. Il a le MP7. Ouh là 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 là, dommage. La balle a failli partir très très vite. Il a vu, il l'a pas vu. Je pense pas qu'il l'ait vu. Attention, c'est stratégique. Si. Ça, c'est bien joué de sa part. Ok, il se doute qu'il est là, il a eu la peau. Il a vu la grenade partir. La smoke, pardon, partir. On va voir ce qui va se passer. Oh là là, ça c'est futé. Ça c'est futé. C'est futé. Il le voit à travers, il arrive à toucher. Voilà, oh mon dieu, Volt qui fait tomber Space Bud. C'est bien joué de leur part. C'est 200 HP contre Vlad Dede qui en a seulement 60. C'est très bien joué de sa part de jouer les petites lignes. Et Vlad Dede qui tombe par derrière. Bien joué. Ils arrivent à repasser à 2-2. C'est bon. Ça fait du bien. Voilà, maintenant, il faut la gagner. Mais c'est très, très bon de leur part pour le coup. C'est du beau jeu qu'on a eu là. Il y a été en rampant et tout. On voit que c'est travaillé de la part de Toby et Volt. Ils ont bossé. C'est à faire l'entraînement. Toby qui continue avec une petite différence. Encore Toby qui fait le boulot. Vlad Dede, Space Bud qui ont du mal à s'en sortir. Pour le coup, avec 2 kills chacun, c'est équilibré. Mais là, c'est Toby qui fait le boulot. Là, clairement. Il régale pour l'instant. C'est très serré. Là, tu vois, là, ça attaque le terrain. Ça se tire des balles et tout. Oh là là, c'est parti. Confrontation. Voilà, il fait Toby qui fait tomber Vlad Dede. Immédiatement, Vlad Dede car ici. Oh, Space Bud qui met un headshot à Volt. Immédiatement, Space Bud contre Toby. Oh, bien joué. C'est dommage. Il avait l'info. Il avait l'info. Il a pas réussi à concrétiser le Toby. Malheureusement, il est tombé sous les balles. Tu passes au-dessus un bidon. Il y a l'animation. Il y a le temps. Ça part dommage. Là, ça se voit que ça tâte beaucoup plus le terrain. Oui. Ça tâte beaucoup plus le terrain. C'est très beau jeu. Ça fait plaisir de voir un Modern Warfare jouer de cette manière. Attention, il a l'info. Il a l'info, Toby. Il est tombé. Space Bud qui tombe. Et c'est revenge directement derrière par son mate. Bien, 3-3, ça va être très serré cette game-là. Oh là là, bah là, il balaye. Un balayage. Voilà. Un balayage là, et... Dans le doute, tu vides ton chargeur. Dans le doute, t'arraches tout et c'est ce qu'il a fait. Exactement. Littéralement découpé, bien joué. De leur part, tout est à refaire. 3-3. Six manches gagnantes. Attention. Ça se cherche encore. Ça essaye de créer des petites possibilités. Ça va aller très très vite. Tout va se jouer très très vite à chaque fois. Là, il y a quand même des HP qui sont tombés du côté de Volt et de Space Bud. Ça gratte un peu plus. Mais il faut gratter. Parce que si tu joues au temps et pas sur le drapeau, c'est celui qui a le plus de vie qui gagne. Aïe, il a tenté. Ah bon, là, il a pas eu chance au niveau du timing. Parce que au moment où il s'est montré, ils étaient deux. Malheureusement, ça suffit à Space Bud. Et t'as vu, encore une fois, les Salty, ils la jouent très safe. C'est ça. Ils la jouent chez eux. Ils attendent. Pour l'instant, ça paye. Il va falloir que Volt et Toby se décarcassent, entre guillemets. C'est à l'équipe qui fait la première erreur. Hein, Ah, dommage, il avait vu. Là, c'était pas mal ça. Il l'avait vu, là ça joue forcément beaucoup avec le MP7. Il va essayer de le récupérer. Est-ce qu'il va prendre le risque? Il faut y aller. Il va le prendre ce risque là. Parce que là. Il hésite, il sait pas. Ok, hop, c'est bon. Il a réussi à l'avoir. Voilà. Il a back. Et t'as vu, il joue vraiment dans leur camp. C'est ça. Il joue vraiment dans leur camp. Il ajouterait entre guillemets petit. Hein,
ils font très attention, ils avancent pas pour rien. Là, en face, ils ont enfin compris aussi qu'il fallait pas courir, rusher. Pas tout le temps. Tu là, peux, mais... ça va jouer autant. Oh là 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 là, il a pris ses coups, donc ils peuvent plus jouer autant. Vladédé qui fait tomber Toby. Vol, il est tout seul. Il joue Vol qui fait tomber Vladédé. Vladédé qui va le chercher. Il a réussi à l'avoir. Le petit réflexe. 5-3. Aïe, aïe, aïe. Les Yes vont peut-être nous quitter sur ce... cette manche, cette dernière manche. Ça va être compliqué. Personne prend le thermite parce que peut-être que pour eux, c'est trop dangereux. Ou peut-être que pour eux, il n'y a pas d'intérêt. Il faut aller chercher le dernier. Pourtant, le thermite peut être parfait. Utile, clairement. Du drapeau, ouais. Ben oui, parce que tu le mets au niveau du drapeau, ça fait gagner du temps. Allez, ça touche du côté de Toby. Il faut que Toby... ils ont mis mid HP Vladédé. Il va falloir concrétiser tout ça maintenant. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ils attendent. Ouais, ça droit, y est. Plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Là, ils tempo, ils se disent c'est la fin. C'est maintenant. Bah, t'as déjà perdu une map. On arrête. Là, c'est, les conneries. Le dernier round. Toby qui a clairement fait la différence sur ce move pendant que Vladédé et Spacebot sont plutôt à égalité à ce niveau-là en termes de kill. Donc là, je pense que Toby dit à son mec, gros, tu bouges pas. Maintenant, on les attend, on va jouer sur la santé. On va jouer sur la santé. Ils ont raison. Aïe, il a pris ça se fait tourner. Ils peuvent quand même jouer sur la santé. Parce qu'il a pris des travers. Allez, il a vu. C'est Toby qui a quand même touché. Oh, c'est compliqué. Ça donne des balles. Là, ça distribue des balles partout. Ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. La pierre. Aïe. Vol, c'est maintenant ou jamais. Vol, faire la différence. Eh bah voilà, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Ils ont été trop longs. 5 secondes, ils ont été trop longs. Ça a joué la tempo, malheureusement il y a eu trop de tempo, ils en ont profité. Ça a joué la tempo, mais sur le coup, ils ont peut-être pas entraîné suffisamment à jouer la tempo. C'est ça. Là où ils ont parfaitement, les Salty, joué la tempo. Et sur le coup, j'ai envie de te dire, bah, ça a fonctionné, ça a payé. Félicitations. Même si les Yes ont montré un meilleur visage que la première map. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour le coup. On va aller du côté des perdants parce qu'ils nous quittent ce soir malheureusement. Mais bien joué quand même. Bien joué quand même les gars. Vous avez pas trop la haine, ça va aller? Non, ça va. Ça va. Alors il y a eu des petites erreurs personnelles ou parce que vous avez joué la tempo et ça a payé quand même plus d'une fois. Donc sur le coup c'était pas dégueu. Comment ils étaient juste plus forts? Ouais, puis l'effet de surprise à chaque fois. On arrivait à être surpris alors que ça devait pas, et voilà. Aïe, 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 ça, et... je sens que ça reproche des choses à son collègue, là. C'est pas grave. C'est une première expérience. Vous avez été en quart de finale pour une première expérience. Entraînez-vous, des big-up, il y en aura d'autres. En tout cas, Toby, bien joué, pour le coup. Je pense que de ce deuxième match, t'as beaucoup donné. Il a relevé le niveau. Voilà, il a essayé d'épauler. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pour le coup, mais félicitations quand même à vous. Vous j'espère... partez la tête haute, messieurs. Voilà. J'espère et les poches vides, malheureusement. La tête haute, mais j'espère quand même que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Vous étiez à l'heure, vous étiez incroyable. Merci, messieurs. Vous avez un dernier mot ou pas? Bonne chance à eux et qu'ils gagnent pour nous, quoi. Ah, c'est fair play. Soutenez-les dans le chat. Merci messieurs, passez une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Et on a les gagnants. Ils s'inscrivent directement en demi-finale. Messieurs, est-ce que vous êtes heureux? Ah bah ouais, on sera une fois qu'on aura gagné, hein, surtout. Ouais, bon ça va là. C'était un peu entre guillemets une formalité pour le coup, non? Ouais, on a eu un peu de mal sur Pain, parce qu'on n'avait jamais joué surtout. Donc on ne savait pas où c'était les armes et tout. oui, on avait vu qu'à un moment vous avez demandé un petit peu d'aide. Mais félicitations en tout cas, ça fait plaisir d'avoir vu ça. Pour le coup, vous avez été très très chaud. Bien joué les gars. Restez là parce que c'est la demi-finale que vous jouerez immédiatement après les quarts de finale. Un peu de pause et du plaisir avant tout. C'est ça. À tout à l'heure messieurs. Yes, ça marche, salut à toutes. À tout à l'heure. Donc là...